Tout est dans la Bonsoir, rondelle. c'est Ragboy, et voilà, donc pour ce soir, c'est une mission un peu Et bonsoir particulière. encore. On On discute. va être parachuté. Notre C-130 s'est fait Discute. tirer dessus par un missile, et heureusement, on a eu la chance de pouvoir sauter. On est 4 ou 5 équipes de 5 joueurs. Exceptionnellement, nous, on est avec je suis le 6e de l'équipe jaune. Il y a Écoute, l'équipe c'est sur le bleue qui est champion. là-bas, je crois, ou rouge tout au fond, avec le Ah, brouillard. pardon. Et c'est un retour Trop sur tard. Stratis. Donc, Géronimo. Ah, voilà. T'as 10 000 mètres, ça fait gros. Oh T'as pas putain, le temps. 10 000 mètres. Sérieux, ça, si t'as oublié ton para? Ah. On t'aurait rattrapé en bas. Sérieux? Ah, je peux tourner. Ça fait plaisir. Je crois qu'on va avoir toute la musique hein, jusqu'à l'atterrissage. Donc, qui sont là, mes coéquipiers? Voilà. Ah oui, ils sont tous là. Je les vois, les 5 là. Bon, ça saute un peu. Ça, c'est du bug. Une quenelle. Sur du parachute à 200 mètres. Donc toute la zone est hostile évidemment. Hein. On doit trouver une radio longue portée, histoire de discuter entre nous. On va être à mon avis éparpillé aux quatre coins. Base. Je crois que j'ouvre maintenant moi. Et la classe avec la musique quand même. Ouais, je peux pas diriger mon personnage, putain. Ça m'énerve ça. Pourquoi je peux pas tourner? Ah, c'est avec le joystick. Mon dieu. C'est avec le joystick. Ah, non, ils vont tous vers la droite. Baisser le son et de remonter le son, parce que c'est quoi cette horreur? Oh, le brouillard, ce que j'aime pas ça. Ragboy de Léo, je suis près du Mirador de Camino Base. Ok, reçu. On est juste au nord du Mirador. Bien pris, je vous vois. Bon, je suis désolé un petit peu par là. Ah, Ragboy. Oui. Ouais, je sais pas où sont les autres. Ah, ils sont là, ok. Ils sont derrière okay, toi. Ok, alors, il manque on est là. Saucisson. Ceci 61. Ok, alors.
Kessos, on est juste au nord de Camino Machin. Je le vois, je le vois. On le voit. Non, ouais, c'est ça, Théo. Quelle heure il est ? Non, je suis là. 7h. C'est qui a posé par jaune ? Je cherche mon groupe. De quoi ? De Tony à jaune. Tony transmet. Bah, vraisemblablement. Ah. Jaune, vous reliez avec violet si vous pouvez. Ah, bah si, on a déjà. Ok, reçu. De Rugby à jaune, qui est le médecin en fait chez nous ? Tonight. C'est Tonight. Alors Tonight, il paraît que dans ton sac à dos, il y aura aussi peut-être une roquette pour moi. Donc on sait jamais. Ok, ça marche. Tu remontes où ta sauce ? Je me rejoins au nord de Firewind Ridge. Ok, reçu. Alors, envoyer un message, évidemment, Air Station Mike. On est quasiment au pied du Mirador. J'avais mis le point un point plus là. Loin quand même. Bon, moi je suis en 63054, vous là. Pouvez me redonner votre position ? Kidewok, je suis déployé ouest-sud-ouest. Et où je cours ouest ? Ok, Tonight sud. Okay. Ouais. Reçu, je vous rejoins en passant par la plage. Oh, Morta, faut que tu sois avec ton groupe. Ah, il s'est barré comme ça. Ouais, il est parti. Il a eu la même comme que nous, c'est pas possible. Non, il a pas le même canal. Ah merde, c'est vrai. Il a dit qu'il a Tony à jaune. Tony, il est à côté. Ouais, Tony. J'ai entendu marcher, mais c'est pas. Ouais, con. Vous devez rallier les caisses de violette. Je te vois. Bah, pour sac radio et médic seront dispo en 57-53. Ta position. Ok, bien pris. Combien, dit, j'ai, bah, j'ai rien compris, 57, okay. Oh là là, cette add-on de son, je peux pas, là, j'ai du mal. J'ai l'impression qu'ils me parlent tous fond dans les oreilles alors qu'ils sont un peu plus loin. Bon allez, on va se retrouver une fois qu'on sera tous regroupés. Voilà, donc on bouge un petit peu de notre point d'arrivée et on va direction le point radio. Où soi-disant il y aurait un sac à dos avec la radio, un medikit pour le médecin, enfin bref, des tas de choses et peut-être une roquette pour mon AT ici, en plus au cas où, on ne sait jamais. Sur l'île, je regarde à droite, tu regardes sur la gauche. Ouais, si tu veux, j'ai mon tube, mais ça va, ça me dérange pas, ça me dérange pas. Non, c'est l'inverse, je prends la gauche et tu fais la droite. Ok. N'hésitez pas à vous mettre en cri hein, devant comme ça. Ok. On stop. On repart. Les règles d'engagement, Boons. Pardon, je changeais de dialing. Ben, je sais pas. J'ai attends un conseil. Bah, je sais pas, discrétion, fait à volonté. Vous me dites avant de tirer. On essaye de pas non plus attirer toutes les sur nous. On est donc, en silencieux derrière. Bon, on attend ta confirmation, on te fait un repérage et tu nous dis si on a... Voilà, tout à ouais, fait. Ouais, voilà, si on peut pas faire autrement, de toute façon. Et on va... tu peux dire en dessous de 200 mètres, vous engager à volonté, par exemple, un truc comme ça. Voilà, très bien. Merci, Ragboy. Non, mais c'était qu'un conseil, hein, tu fais ce que tu veux. Ça ressemblait à un ordre. Ouais, t'es un peu méchant. Pas du tout. Un petit peu trop autoritaire, je trouve. Tu parles, c'est saucisson, ouais. Bon, alors, vous ouvrez à 200 mètres, hein, c'est comme ça, et puis c'est pas autrement. Bisutage que tu fais à la je bisute qui ? Je vous signale que là où je suis placé, je pourrais avoir un procès parce que je suis tout le temps derrière ces. Enfin voilà, derrière elle quoi. Donc s'il vous plaît, on la met en veilleuse et puis moi je vais regarder sur la droite. Non mais mon bonhomme est en train de cracher ses tripes quoi. Pareil. Je vais faire une pause. Ouais, oui, faut arrêter de fumer. C'est cool quand même ce. Ah, tu trouves ? Moi j'aime pas. Et du coup, ça permet de bien entendre les ordres de devant et tout, c'est très cool. Ouais. Ok, je cours pour ouest. Moi nord, Ragboy nord. Ah, je suis. Bah, Tonight, ok. Vas-y, si t'es déjà passé, je te laisse. Ouais, j'étais sur la droite normalement. Mais oui, c'est vrai qu'à l'arrêt, c'est différent.
Ah, t'as un mec? Je savais pas. Merde, j'ai pas pris tant de chute. Donc on est en 58, 54, on est pas très loin. C'est vrai que j'ai mon télémètre. Ouais, j'ai pas pris de batterie. Oh, c'est ok, pas moi. Donc là ça va être là, sud-ouest. C'est pas moi qui ai fait le loadout, mais bon, c'est pas grave. J'ai... Ouais, tout à fait. Ok. C'est pas. C'est bon, y a pas besoin de viser une cible, okay, ou quoi que ce soit, vu qu'il n'y a pas de, d'hélicoptère, okay, ni d'avion dans les. C'est parti. Ok, ça suit. Dans la mission. Ragboy, parti. Plein de 120. Ouais. Ah, ça se lève là. Hein. Pas très longtemps, une centaine de mètres. Ça fait du bien là, le brouillard qui tombe. Pas si ça annule pas. Alors normalement il y a l'équipe violette qui devrait nous attendre, mais oh, ils sont pas partis par là. On va être prudent. J'arrive pas à voir, j'ai pas la. Ils ont pas de casquette, ils sont en iranien. C'est des iraniens. Ouais. Ouais, c'est des iraniens. Je sais pas à quoi ils sont, mais c'est ouais, pas gentil. Non, ils ont pas de casquette. Toute ouais, une patrouille, c'est des iraniens. Avec un véhicule, j'en compte 3. Enfin, il devrait y en avoir 4, je crois. Il y en a plus. Y en a, ils sont partis sur la gauche. Ouais, ils sont partis sur la gauche. Il y a tout un camion. Putain, okay, ouais, il y en a plein. Putain, en plus, on n'a pas un bon point de vue. Non, pas trop. J'essaye de me déplacer sur la droite, voir s'il y a pas moyen de. Première. Ok, il y a des craquements. Ouais, le terrain est derrière. Ouais, tout à fait. Si on repart un peu au nord pour les prendre. Je sais pas si on peut arriver à voir le dessus sur eux. C'est chaud patate. Ouais. Ouais, quand on est à contrebas comme ça, ouais, c'est dur. Hein. Ouais. Comme ça, on lui met bien la pression. Ouais. On les maintient à terre, puis vous pouvez manœuvrer. Et si on leur grenadait la gueule? Si on arrive à dégommer le camion, on peut avoir les deux à côté, je pense, avec le souffle. Tout si, ouais, on sait pas combien il y en a. Et il faut qu'on. Ouais, voilà. Ah, ouais, ils sont au moins 4, mais il y en a 2 qui ont bougé sur la gauche, quoi. Et il y en a au moins 2, je crois, 3 même, ouais, sur la gauche le long de la route. Ok. Pas évident. On est couvert derrière. Ouais. Ragboy et Tonight à l'arrière. Le camion disparu, ouais. Tony. Oh. Oh merde. Tony de équipe jeune. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il a tout supprimé. J'ai plus aucun visu. Ouais, j'ai plus rien non plus. Bah, à mon avis, il a tout supprimé là. De Léo, je me propose de contourner par nord-est la crête là sur notre droite et d'aller faire un road ouais, bon, un peu curieux. Et j'y vais. Très bien. On a un super beau lever de soleil, nous. Ah, magnifique, ouais. Ah bah si, attends. Ça fait partie des joies du métier. Peut-être, tu sais quoi, là, je m'ouvrirais bien une boîte de sardines là devant ce magnifique. Lever de soleil. Voilà. Un peu chiant ce bruit là, le mec qui rappe le sol. Là. Enfin bon. Ok, on bouge a priori, Ragboy. Ok. Quelle direction? Attends. Non, ouais, non, c'est ça. Non, on bouge pas, désolé. Non, mais je crois qu'on peut bouger. Il a dû supprimer la patrouille. Hein. J'ai l'impression ouais, qu'il n'y a plus rien. Il est parti, Léo là? Pour l'instant, non, donne-moi 30 secondes. Pas de soucis, non, mais c'est que nous de notre côté, il y a vraiment plus rien, donc je me demande s'il a pas ouais, tout supprimé. Ouais, bon, allez. On se retrouve au sac à dos. Là, il y a un véhicule qui arrive sur notre position. Est-ce que je vais le shooter? Là, de toute façon, notre objectif, il est pas sur la route, hein. Il est un petit peu à côté de la route, il est plein sud là. Alors, je vais baisser un peu les bruits là. Embêtant pour vous, ouais, je pense. Léo, je pense qu'on peut esquiver le combat. Le point est plein sud, légèrement sur la gauche, en contrebas de la route. Je vais me foutre là. S'esquiver. Ok, reçu.
Qu'est-ce que t'en dis, Wills? Ok, on t'attend et on va se diriger sur le point radio. Bon, bah fausse alerte. Pourquoi j'ai aucun son? Ah bah ça y est. Oh putain, y'a du monde encore. J'ai un problème de son, je vais essayer de régler ça. J'ai aucun... Véhicule maîtrisé, Boone, c'est un problème de son. Okay, enfin, je vous entends bien, mais j'entends pas les... Dark Boy à tous, je confirme que le véhicule a été explosé. Tu peux nous rejoindre, Léo, si tu veux. Ouais, c'est le sandbag où faut redémarrer le jeu aussi. Ça ou alors, c'est, oh, putain. C'est que le son de ton jeu sort sur une carte de son, comme Dark Boy avait eu. Ouais, quand t'as un casque et quand t'as... Putain, mais me tire pas dessus, pardon. Crétin. C'est moi, pardon. Non, c'est pas toi. Recule pas trop. Avancez sur vous, les gars, je suis avec l'équipe violette. Ok, on avance sur Léo qui est en face de moi. C'est Léo qui a tiré? Non. Je pense pas, non, mais ça m'est vu en pleine phase, donc... Ça va être galère si j'entends rien. Au pire, dès qu'on est au radio, tu fais un déco du jeu. Rejoins l'équipe violette, l'équipe jaune. Ouais. Tu te feras un... équipe violette, là, ouais, mais ils contournent par la droite. On a détruit un camion, donc on va regarder s'ils sont s'ils encore des survivants ou pas. Faites gaffe, on avait un camion sur la route. Bah, je crois que c'était celui-là. Hein. Enfin, je suis pas sûr, mais... Ouais, je pense aussi. Donc, ouais, Bones, en fait, tu vas dans tes paramètres audio, dans Windows. Ouais. Clique droit, propriété, tu vas voir la liste de tes périphériques, en fait, tes cartes son. Et ouais, tu tapes son dans la barre de recherche en bas. Ouais. Faut que tu tapes. John, vous avez trouvé le matériel ou pas? Négatif. Là, c'est qui le lead chez vous? Pas encore. Donc Dulgan, nous pensons que c'était quand on vous rejoigne de toute façon. Écoute, pour moi, le point radio il est là. Hein. Non, mais je fais gaffe s'il n'y a pas une unité dessus ou quoi. Avant de regarder au sol, tu vois, je regarde autour, c'est ça que je veux dire. Bon, je suis au point là et j'ai rien du tout. Ouais, peut-être plus. Je vais prendre de la hauteur. Sur la route? Oui, peut-être, ouais. Bah, c'est dans le carré de toute façon, je pense. Ouais. Le point, il est juste pour indiquer le carré. À la recherche du sac à dos. Alors, on vient de trouver les sacs qui sont juste là. Et il y aurait une infanterie, enfin un véhicule qui aurait largué une infanterie là-haut. Donc visible. 340. Qui nous verrait. Côté de la route. Bon, je crois qu'on les verra pas. Je vais laisser tomber avant de me faire voir. Je vais juste essayer de régler ça rapidement. T'as nous le gars là sous les sapins en face de la route? Visuel. Ouais, ouais, à mon avis, t'allumes, ils ont déjà allumé, toi. Mettez-vous à couvert et allumez ensuite. Putain, soit trouve un couvert. Tremplin. Ouais, le tremplin. Ok, ça marche. Non, les a perdu ou quoi, merde. Non, ils sont derrière le. La butte. T'as, t'es où, je te vois pas. Ouais, bon, on avait vu une patrouille là, mais elle vient de disparaître. Bon. Et peut-être du contact qui va passer sur le côté gauche pour la route et remonter par la forêt. C'est bon, tout a été pris dans les sacs ou pas là? Dragboy, équipe jaune, tout a été pris dans les sacs ou pas? Saucisson, jaune, je sais pas, j'ai rien pris. J'ai pris une radio et donné à Léo. Ok, bien pris. Ouais, c'est... je vous montre à couvert. Oh putain, l'enculé! Ils sont dans les bois. Mets-toi à couvert, Wins. Putain, j'aime pas, là je suis en plein milieu. Merde.
Le Ragboy, je bouge. Waouh, pardon mon Ragboy, il s'est relevé juste devant moi. On a de les j'ai une radio fou là-bas. Putain, j'ai prévenu. Bon bah super. Tu vas te soigner, je vais te soigner. Non, non, laisse tomber, laisse tomber. Désolé, mon ma poule, tu. Je t'ai pas vu. Ah oh. Mais ouais, ouais, c'est pour ça. Fallait bouger. Et merde, on a perdu Vincent aussi. Bon, bah. Vincent à terre en bas des rochers. Ragboy à terre en bas des rochers aussi. Bah, tu vois, c'est. Eh merde. Ah, je me fais transporter. Qui c'est qui me tire? C'est Dulgan. Merci Dulgan. Je te fusionne avec Vincent. Je te reçois Léo. Oula. Ah oui, j'ai fusionné avec Vincent là. Puis avec un rocher aussi. Il y a un médic encore là? Ouais, par contre. Ça... Ouais, ok, vous êtes là. Dans le creux, ouais. J'ai pas ma carte vitale, docteur, par contre. Tu lui feras une feuille de soin, puis c'est tout. Ça fait ouais, mais ça va encore coûter 2€ de plus, bordel. Ouais, je les ai entassés, mais le petit coin est sympa. Je me suis dit que les entasser dans un petit coin, ça leur ferait plaisir en plus. Ah bah ouais, c'est ça, des bonnes idées pour des scénarios vont germer. Je sais pas ce qu'il va. Tiens, Violette, ceux qui sont debout, vous me répondez. Oh, c'est quoi ça veut dire ça là? C'est pas gentil ça. Non, mais attends, putain, zéro vie. Je t'adore, mon Kiki. De Dulgan, ouais, Team Violette, ceux qui sont vivants, annoncez votre pseudo. Dépêchez-vous, il est en train de me faire des bisous, Vincent. Ok, Vincent, debout, je recule. Et pas que. Tonight. Ah putain. Ouais, je suis. Faudrait qu'on essaye. T'es médic, Vincent? Ouais. C'est normal que mon pantalon soit sur mes chevilles. Un docteur. Oh, Tonight. Après, il rigole pas, Tonight. Hein. Merci. Ok, je remonte. Bon, je m'en vais. J'ai plus de vie cette fois. Attends, parce qu'on va se faire contrôler. Hein. J'ai pas été prendre des sacs là. C'est merdique. Attends, je vais aller voir. Et tous les sacs ont été pris là? On peut les prendre peut-être sur les cadavres. Il y en a un pas devant? Si, il y a un sac là. Alors, il y a une roquette, ouais, bah c'est bon ça. Allez hop, c'est bon, j'ai un sac. Putain, il y a un sac de médic, il n'a pas besoin. Ah, bah j'en sais rien ça. Un sac de médic, de disco, la personne n'en a besoin. Désolé, j'en ai fait ce qu'on a en trop. De l'extrait. D'accord, crédit. Team Violette, comme bonjour. Bah, pardon, il y a bouchon là ici. Pardon, Merci mec. C'est génial. Ah, quand j'ai des bonnes nouvelles, j'hésite pas à en faire partager. Bah alors Boone, t'appuies ta casquette jaune? Ah bon? Non, bon c'est pas grave. Bon, j'ai récupéré mon sac. De Ragboy à tout, j'ai récupéré mon sac. Hein. C'est le loadout, j'ai oublié la casquette. Ah non, je t'entends sur la radio. Hein. Ok, je vais revenir sur votre position. Lunettes, casquette R3F, ça s'en fout. J'ai équipé, j'ai chopé un sac de midi. Équipé, c'est vite. Bon, moi j'ai presque plus de balles. Oui. Donc les violets vont tenter un contournement par le nord-est. Ok. SS. Ouais. Ils en ont pas pris chez les violets. Bon voilà, on est équipé, les violets sont en train de repartir. Qu'en fais-nous? Attends, moi déjà je veux pas que par contre il va me rester un truc genre un chargeur plein et top 2, mais c'est même pas. Oh putain! Ça vient d'où les tirs? Je sais pas, je dirais en face de là où, comme d'hab, là où j'étais tiré. Ouais, faut bouger, hein. De toute façon, il faut aller sud-ouest maintenant, non? Sud-ouest. Ouais, sud-ouest, ouais, c'est bon ça, sud-ouest, ouais. Oh putain, c'est encore moi qui ai pris. De Ragboy, j'étais touché encore une fois. Dragboy, j'ai été touché encore une fois. Putain, on me tire dessus. Ça vient d'où, Rack? J'en sais rien, si je savais.
Putain, mais ils m'en veulent. Oh putain, c'est sur moi que ça tire encore. Tire nord-nord-est. Ok, Ragboy, il faut que je te soigne après. Ouais, ouais. Putain, ils tirent encore sur moi là. Ouais, ils sont en colère. Mais qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai rien fait moi. De ce que j'ai vu, ça venait nord-nord-est. Ça tire sur toi. Merci, ouais. Saucisson. Léo. Léo. Ah, Tunnel, putain, mais y'a pas les noms que ça fiche. On bouge, faut pas qu'on reste là. On décolle. Allez, go, 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 on y va. Ok, alors on va partir plein nord-est. Oh putain, je suis là. Il y en a qui ont de la place ou pas là dans leur sac à dos là. Vas-y. Parce que j'ai plein de roquettes là. Vas-y, vas-y. T'en veux, je te les pose par terre. De quoi? J'ai plein de roquettes sur moi, j'en ai 6 là, j'en peux plus là, mon bonhomme il va pas pouvoir avancer. Moi c'est pas que je veux pas, mais j'ai pas de place mon rack. Ok, pas de problème. Allez go, on y va, on y va, on y va. Ouais. C'est bon? Bon allez, ça ira, t'inquiète, je ferai des haltes. Bon, apparemment l'intelligence artificielle m'en veut vraiment ce soir. Donc bon, on va bien voir la suite. Allez, on se casse. On est au complet? Ouais, ouais, on est au complet, je suis là. Je suis pas derrière toi, Boone, c'est Léo, mais c'est pas grave. Ok. Vas-y, Vibrac, vas-y. Bah, bah je peux plus, là, je suis sur les rotules, là. Tu m'étonnes, non, c'est pareil. Ça y est, retrouver du souffle, là. Reçu. Pour nous tous, l'équipe violet, il volait sur parallèle sur notre gauche, gaffe au tir. Il y en a une tour radio là-bas. On se fixe là vite fait, on observe. Ouais, ok. Patrouille 4 personnes. Oui. Ah oui. Ils... De Ragboy à Boons, ils arrivent sur les antennes, de la droite sur les antennes. De Ragboy à Boone sont les appuis en visuel. Visuel, ils sont au niveau de la première antenne rouge. Merde, je suis tout seul là. Putain. On est juste en dessous, si vous pouvez les éliminer. J'ai plus de visuel. De Ragboy à Léo, je reviens sur ta position, attention. T'es où Léo? Léo, tu m'entends? Ils sont en alerte, hein. Sous la baraque en tôle. Dans Ragboy à Boone, ils sont en alerte. Ils nous tirent dessus, ils nous ont vus. Dans Ragboy à Boone, on se fait tirer dessus. Oui, par les mecs qui sont au pied de l'antenne, moins un. Ok, si vous pouvez les éliminer parce que nous on a aucun vision, on est en contrebas. Ragboy à Léo. Je t'écoute, Rag. Ragboy à Boone, si vous ont grenadé la gueule. Non, c'est moi qui ai lancé une grenade. Ouais, bah, ok, t'étais très loin. De Ragboy à Boone, s'ils sont au niveau des maisons en tôle ondulée. Il reste combien? Quad sur la route. Est-ce que tu peux me dire par rapport à l'antenne où j'ai jeté la grenade ou est-ce qu'ils sont? À peu près à 200 mètres au sud. Il y a un quad. À peu près à 200 mètres au sud. Et il y a un quad qui est arrivé, si j'ai bien compris. Il est mort, le quad descendu. Ouais, la plus au sud, j'irai. Je pense qu'on peut te couvrir jusqu'à ta progression. Il y a un camion, il y a un camion, je vais shooter. Ok, bien pris. Je l'ai ou pas? Ouais. GG. Je recharge.
ça a pas longtemps pour moi. T'es chaud, les... chaud bouillant. De Ragboy à Boone, ce que je suggère, c'est que vous alliez vers ces antennes et on vous couvre d'ici ou on vous rejoint à ce moment-là. Ok, bien pris. Canal général. C'est 50. Ok. On fait comme si on t'avait pas entendu. C'est qui? C'est Tony. Ah, ok. Et vous les voyez là, Boone et Ewok? Moi je les vois pas. Ah oui, près du rocher, ah oui, ils sont loin, effectivement. Donc on les rejoint ou faut qu'on les couvre? J'ai pas entendu les consignes. Bah, c'était un peu entre l'un et l'autre. T'arrives. Vas-y, vas-y. On est en contrebas de la première antenne, je dirais. Azimut 220, Léo. De Ragboy à Boone, on te voit bien. Soit on te couvre, soit on te rejoint. Vous allez nous rejoindre. Et on y va. Bien pris. Okay. On va perdre toute la visibilité si nous arrive des trucs. Dommage. C'est pas grave. Et la patronne. Ok, on est en progression dans ton dos. Boone, 15 secondes, et sur toi. J'ai pas eu le temps de recharger mon AT4. Et moi ou audio véhicule côté gauche? Audio véhicule, ouais, j'ai l'impression. Boone, sans confirmation, il nous semble avoir entendu un véhicule approcher. Ok, c'est bon, j'ai des munitions. Je suis chargé. Le truc, c'est que plus on en fait du bruit ici, plus ils vont venir. Ouais, on va tracer plein ouest et on va essayer de contourner les antennes. Ok, ça marche. Allez hop. Je commence à être court en munitions. Pareil. Qu'est-ce que vous avez? J'en ai plein. Ah non, nous c'est de la mini-mini avec ceci. Bah j'ai un chargeur de mini-mini moi. Ah j'ai cramé 3 chargeurs. Attends, attends, attends 2 secondes. Ouais, on pas en plein découvert là, hein. Non, on bouge. Non, je croyais que j'avais un ruban avec moi mais non. Ok, un peu plus sur l'ouest maintenant. Ouais, on va avoir des Irak, vas-y. Ouais, c'est bon. Ok, parfait. Je sais pas si s'ils auront une visibilité sur nous, par contre, au niveau de l'antenne, il y a des chances. Peut-être mieux qu'on reste en contrebas, là. Ouais. Et qu'on contourne par le petit vallon, là, je sais pas si tu vois. Pas le petit vallon entre les deux crêtes, mais sur la crête, dans le prolongement. Si, ouais, je vois, ouais. Ouais, très bien, on va faire ça. On sera peut-être en contrebas, là, je sais pas du tout, en fait. Ah ouais, bon, ça fait pas un détour, là. Ah si, ça fait un détour, mais bon, on essaye d'éviter les... Les morts, ouais, c'est clair. À tous de l'équipe jeune, pour info, on est en 0,50-0,51. Si éventuellement, là... Oh putain, non, ils risquent de nous voir. Ah non, c'est pas bon, faut descendre encore un peu. Ouais, je disais de l'équipe jeune, juste pour info, on est en 0,50-0,50. Non, ils vont pas nous voir. Non, non, si tu préfères, Ewok, ils étaient vraiment dans les... dans les maisons, quoi, ils étaient pas à l'extérieur. Si tu préfères, dès qu'on leur a tiré dessus, ils se sont mis à couvert dans les maisons. Ok, bah on, okay, bah on va essayer de traverser là et de se mettre à couvert de l'autre côté. J'espère que je vais pas leur porter la poisse. Il y a des rochers pour la transition. Ok, ouais. Ça a l'air de fou de ça. Donc voilà, il paraît que l'équipe est en train de se faire tirer dessus, nous pas demander notre aide. Et on va arriver. Dans une cuvette, on va être obligé de passer dans une cuvette boisée. Voilà, la cuvette de la mort. Ok, ça suit. Espérons que cette fois, ça nous porte plus chance qu'autre chose. Ah. Donc voilà, il ne fallait pas rester près des antennes, sinon on allait avoir de plus en plus de monde sur nous. Logique, hein, vu que la fumée s'étendait à hauteur. Ah bah voilà, il y en a beaucoup qui sont morts. Définitivement. C'est mission chaude hein, ce soir, hein. Mais c'est sympa, il y a de la tension, moi j'ai plus de vie non plus. Si je me prends une balle, c'est terminé. Voilà, on est dans une cuvette, on remonte tout de suite. Je surveille à droite, normalement rien. Toujours derrière? Ouais, je suis là. Ok, parfait. Boone, t'as réglé tes problèmes de son alors? Bah ouais, enfin... Parfait. J'ai des co-recos et j'entends de nouveau les coups de feu. Ok, bah moi j'entends pas les coups de feu de... certains coups de feu enfin. Ah, pas pratique quoi. Ah non. Peut-être un mode qui est pas à jour ça. Ouais, c'est ça en fait,
J'avais lancé avec un raccourci normalement qui lançait tous les modes, et après une fois dans le jeu, je voyais que les extensions n'étaient pas cochées. Ouais, c'est peut-être ça, ouais. Ouais, j'ai au moins 5 ou 6 raccourcis différents sur le bureau, ça commence à me saouler tout ça. Qui proche de qui jeune. Bah, c'est pas ça. C'est un bug du buisson ou c'est. Bah, c'est un bug du buisson. Ok, c'est bon, c'est safe. On va continuer. Ok. Bon, allez. T'as le bat de Léo. On va se retrouver de l'autre côté de la crête. Voilà, on a la première visu sur, sur la station Mike. Ah ouais, des patrouilles ici. Un gars là. Et un autre là-haut, Mirador. D'ailleurs, ça a l'air d'être un sniper en ghillie. Ouais. C'est un sniper en ghillie qui est sur le Mirador. Hein. On l'a pas mis là-haut. Non. Ça va être chaud. Et ouais, et tu vois le Mirador qui est à gauche de ces trucs là. Qui c'est qui couvre le nord? Il y a un sniper. C'est moi, Rockboy, je check un peu. Ah, pas de problème, saucisson. C'est un sniper. Bah, je suis avec toi. J'ai été décimé. Le restant de cette équipe a fusionné avec l'équipe bleue. Il se trouve actuellement en 0. 0,25, 0,25, soit au sud-ouest. La clip la plus près de Air Station, Max et nous. 0,25, 0,25. Affirmatif. C'est de la map, quoi. Oh putain, ils sont là. T'as le bat de Léo, t'as cherché le joint. Et nous, on est tout près, on est là. Bon. Est-ce qu'on a un sniper? Non, on a pas de calcul. On a personne avec des longues portées ici. Si, il y a Léo, non? Si vous êtes en 417. Ouais, ils sont en 417 de 20 pouces. Ouais, donc à 600 mètres, c'est easy. 700 mètres, ouais, bah écoute. Léo, tu peux nous éliminer un sniper à 700 mètres? Une seconde, je suis en commun avec ma radio. Non, mais par contre, il s'est flashé une voiture à 700 mètres. Voilà, on approche tout doucement d'Air Station Mike. On va essayer de prendre le vieil outpost qui est entre nous et Air Station Mike. Hein, espérons qu'il n'y ait personne. À mon avis, il y aura quelqu'un dedans. Camion, je suis sur la route là. Ah, audio. Couchez-vous. Ok, alors on se couche. Je vais sûrement ne pas shooter. Plus loin sur la droite, sur la gauche. Ouais, ok, on a des un baraquement aussi sur notre droite. Camion, c'est... Attends, Boone, n'avance pas trop. Attendez qu'on est chaud en short en munition. Tu le défonces, tu veux que je le tire là tout de suite? Ça va attirer tout le monde. Ouais, vas-y. C'est trop tard. Tu veux que je le. Ah, attends, si tu veux, je le tire une fois qu'il est loin. Non. Ouais. Mais non. Attendez 10 secondes, il va ressortir. Il est là. Il est là. Ouais, il est plus sur la gauche, il est là. Je peux crever les pneus. Attends. J'ai même pas les routes. C'est fini. Ah oui, c'est pareil. Les bâtiments, ouais, c'est ça l'autre poste. D'accord. Il n'y a pas l'air d'avoir trop d'activité, mais enfin, pas dans l'extérieur. Alors, il y a du monde là. Bon. Actuellement, plus il descend. Ouais. On va check vite fait où je suis. Ouais, ça a l'air pire. Après, c'est un grand bâtiment, ça se trouve, ils nous auront mis dedans. Putain, je suis crevé quoi. Je pense qu'il faut bouger. Il y a des tirs lointains. Ouais. Ouais, bah. Sur ouais, ah. Voilà, on va descendre sur notre. Attends, il y a le camion qui revient apparemment. Bon, tu veux que je le shoot ou pas ce camion? Ouais, si tu peux, tu le shoot pas. Si il est vide, non, mais si il y a de l'infanterie. C'est un médévac, ça, ouais. Je prends autre chose. Ah non. Bon, j'ai le sniper en 180. Ouais, c'est trop tard là, attends. Il est au croisement là. Ok. Il est quasiment à l'arrêt en plus. Ouais les gars, le sniper là il est... Merde!
je retire encore. Oh putain! Attention au sniper, Léo, si tu, ouais. Tu le vois en arrière, tu peux l'avoir. Il est à peu près 500 mètres. Ok, distance sniper, 530 mètres. Et c'est bon, il a explosé le camion? Ouais. Je vois un contact dans les escaliers de la géode. Dans les escaliers du truc aussi, là. Ok, ils montent dans les escaliers, ils sont 2-3 à monter. Ouais, bon, maintenant faut bouger, hein. Léo, tu peux aller les avoir dans le. Économise, il voit qu'il économise. Ouais. Ouais, c'est Léo s'il peut tirer ou pas, hein. Léo, tu peux les avoir ou pas? 530 mètres le sniper. Je suis désolé, Léo, mais je vais couvrir les arrières parce que personne. Personne ne. Rassurez-moi, il y a quelqu'un qui couvre l'arrière. Ok, bah j'y suis. Il y en a un dans les escaliers du Mirador et il y en a un ou deux en haut du Mirador. Ouais, il y en a un sur la vie. Ouais, je les vois. Ça, y a rien de mieux que nous faire popper des. Ramener des patrouilles. Putain. Ok, Léo, à la limite, tu restes là et tu essayes de les surveiller, de les abattre et nous, on va essayer de descendre sur Old Outpost. Reçu. Ok, on y va. Ok, parti, okay, ouais. C'est parti. Comme ça, il les occupera un peu. Ouais. Bon, finalement, mon deuxième tir a été meilleur. Je tire un peu en avance du camion, mais au moins, je l'ai eu. Reçu, même pas peur. Léo, il joue les durs à cuire comme ça, mais il doit être tout doux et tout gentil en uniforme. T'es sûr? Attention, Rat Boy, j'ai des suppos. Les gars dans les escaliers. T'as quoi? Des suppos. Ah bah moi aussi j'en ai plein avec, okay, applicateur. Léo, descends, rejoins-nous parce que tu as aucune couverture. Hein. Attends, il est parti tout seul, Ewok. Ah, il est parti climé. Ouais. Je okay, prends l'étage. Ragboy, je prends l'étage. Ok, je monte avec, okay, toi, bien fait. Je reste à l'extérieur. Pour l'instant, c'est clair. Ok. C'est à quel niveau, les gars? On est au niveau du grand bâtiment dans Old Outpost. Allez, là. Rien à gauche. J'ai pas clear le haut de l'escalier. On est en train de faire, ouais. Ragboy en haut, ouais. Justement vous dire que c'est. J'ai pas clear. J'ai un contact d'azimut 210 sur le bassin qui descend la colline de 300 mètres. Allez. Ok, allume-le s'il est hostile, enfin s'il est trop loin. Tu prends à droite. À droite, ouais. Ok, je vais ressortir, je vais aller avec saucisson. Ok, clear. Clear, le bâtiment est clair. Ragboy à équipe jaune, je confirme que la sentinelle qui était au pied du Mirador a été est en mode actif et va vers l'ouest. Ouais. Putain. Et là, cette porte s'ouvre pas. Bon. De Ragboy, je sors du bâtiment. Fais un clic droit. Ah sinon on en fait Z et S en même temps. Donc pour info on est à ça saccade, hein. Ah ouais, c'est bon, on est pas. Ouais ouais c'est bon, attends regarde, attends. Ah j'ai posé 3 chargeurs. Ouais dans ça, mon sac à dos. Il me reste 2 AT plus 1 ouais. Dans le tube donc 3. Je l'ai cramé tout à l'heure quand même. Venez bah je vous en mets 2. Ah ouais j'en ai pas moi. Vous voulez pas des lunettes? J'ai des lunettes profile et des lunettes ball. Yes, merci. Si vous voulez j'ai des casquettes aussi et des boucles de ceinture en cuir. Ah, pour les ceintures en cuir. T'as pas des petites rappels? Si, si. Eh hey, attends, mon first aid kit. Ah, tiens, il t'en reste pas tonight? Moi j'en ai pas. J'en avais que 2. Tiens. Tu m'en prendras. Ok, super. Bon. Ok. Donc. Oh putain, hélicoptère. Hélico. Ouais, hélico. Oh, ça cartonne. Ok, on va se mettre à couvert dans le bâtiment.
Viens, saucisson, je te fais à manger. J'ai la dalle en plus. T'as pas mangé ou quoi? Non. C'est malin, ça. Je fais la merde de la faim. Ouais. Ah, tu soutiens les petits Somaliens? C'est ça. Peut-être un câble. Mais personne ne les a pris? Bah non, moi c'est du 162. De quoi? Ah, moi j'ai ce qu'il faut. Autant que ça te sert. Hein. Attends, où est-ce qu'on a abattu tes cibles? Sinon tu prends des... Ouais, vas-y. Ah bah non, je prends tout si tu veux. Non, 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 vas-y, vas-y. Que la Minimi, elle peut tirer du 5.56 en 33, mais... Ah, ouais, mais celle de Famas, c'est le Stamag. Ok, alors on fonce dans la forêt. Allez, go. Parti. On va tous courir. De là, elle a l'air safe. Oh putain. Je pense que ça va chier, quoi. Attends, 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 je m'arrête pour enlever la chargeur. Je m'arrête pour enlever la chargeur. Ouais, je vais baisser le son aussi. On va baisser un tout petit peu. Allez, ça c'est une musique qui veut dire qu'il faut qu'on bouge là. Hein. Allez, go, 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 go. Ah, mais bon, à tous les coups, on va tomber sur des contacts et je vais avoir la mienne. Allez, parfait. Tu t'en fous, les contacts, c'est juste au visuel que tu les vois. Ouais, tu t'entends pas leur bruit de pas. Là, j'imagine bien un mec chevelu brun qui secoue sa chevelure dans tous les sens là. Ah non, le con de Ardos. Je suis derrière. Et c'est bon, c'est fini. Ok. On prend la position. C'est quoi ça? C'est Nightwish? Nightwish, non? Comme groupe? Ah bah, un qui a mangé des faillots. Non mais c'est quoi cette musique là? C'est pas une musique de Kuro ça? Un truc japonais? C'est bien quand ça s'arrête. Ah, non, c'était pas Man of Steel ça, si? Le truc avec Hugh Jackman qui contrôle les robots de combat... Oh là là, film de merde. Quoi? Ah ouais, ouais. Ah. On est monté, hein, ça a bougé. Oh, il dit rien aussi. Ok, style, on va faire une pause et on va attendre plus. Ah bah ouais, il y avait style dans le team, c'est vrai. Là, niveau couvert, on est fort. Hein. Carrément. Et si tu ou des girolles, hein. Ouais, t'es... Tu prends tout ce qui passe, quoi. Il avait pas des tickets resto sur lui? On s'est une petite fricassée, Air Station Mike, je sors le réchaud... Attention, un visu sur la route. Un petit canon de rouge et puis... Bon, normalement, il devrait y avoir une patrouille entre la station et la route. Hein. Ça, attends, il est parti où, Ewok, là? Il est parti à fond? Ewok? Alors, Ewok, t'es où? Il a pas de radio. Ah, merde. Allez, on y va. Bah, on y va, hein, qu'est-ce que tu veux? On fourne les couilles. Oh là là. Yeah, Ewok, il est là. Ouais, je... Un furieux. Mais j'ai pas de radio, moi. T'as un fou dans ta tête. J'ai pas de radio, moi, je vous ai pas entendu dire. Mais alors, tu crois que c'est une excuse? Le pauvre. Je me suis rendu compte qu'il y avait personne derrière moi quand j'ai dit on est à Station Mike, qu'il y a personne. Mais c'est incroyable. Monsieur fait le loup solitaire. Bah ouais, moi, je suis un fou. J'ai... Merci, les gars. J'ai fait tout seul, la mission. Pourtant, les Ewok qui vivent en communauté, hein. Bon les gars, les autres équipes sont équipées, informées qu'on arrive par le nord-ouest, donc on est chaud patate. Donc on va... Ouais, non mais attends, et eux ils sont où? Je ne sais pas. Ah. ils sont pas au bar? De équipe jaune à tous, quelles sont vos positions? Équipe bleue, rouge ou violet, je sais plus quoi. Et réponds avant Noël ou je te fous un coup de pied au cul. Léo. Je crois, mais je suis pas sûr qu'on a un passage sur la droite.
dans le grillage. Oui, oui, on a un passage sur la droite, je te confirme. Ok, mais on va l'emprunter. Votre position 34. Moi d'ailleurs, je pose ma MG, j'y vais sans rien. Chiche. Avec la casquette. Et en plus, je reste là, je te regarde. Si on reste planté là, c'est clair qu'on est pas trop bien. Ouais, non, faut pas qu'on reste là par contre. Bon, on les... Je sais pas, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? On les attend ou on rentre dedans? Non, on bouge, ils sont trop loin, on bouge. Ouais, ils sont trop loin, c'est jouable. Ouais, ouais. Bon, ouais, mais attends, il y a juste un truc que je voudrais dire. Il y a d'autres miradors là qui sont plus au sud. On est bien d'accord. Si eux, ils sont pas encore arrivés du tout à distance, les miradors, ils vont être remplis de snipers, ok? Ouais. Donc, ouais, faudrait pas se faire découvrir. Le seul endroit qu'on a nettoyé, il est à l'est. On est bien d'accord. Donc, à l'est, on a plus ou moins nettoyé déjà. Ouais. Et eux, ils vont arriver par l'ouest. Ouest-sud-ouest. Ah ouais, l'ouest-sud-ouest. Donc, eux, ils vont s'occuper de ces miradors-là. Je serais d'avis de minimiser les risques. On retourne à l'autre poste, on les attend? Non, non, mais peut-être en progressant en direction Azimut 100, par exemple. Genre avec... Ouais, peut-être, ouais. Ou genre, il y en a deux qui font vraiment... Ça nous fait longer la base tout le long, ça nous fait prendre des risques tout le long qu'on longe la base. Hein, parce qu'on va avoir la base au-dessus de nous. On traverse la route et on passe plus à l'ouest et après on redescend vers le sud pour se regrouper et avec l'autre équipe. C'est pareil, les attaques à l'ouest se sont rarement bien passées, c'est pas très bien configuré. D'accord. Bon, comme vous voulez. Mais ne faut pas rester entre la route et la base. Quoi. Et on est short munitions, pensez-y. Comme tu veux, Boons, vas-y. Mais je sais pas moi quel est le meilleur choix. C'est pas grave, c'est pas grave. Si on meurt. On est short munitions, on est pas fait pour tenir un siège, donc c'est clairement de l'assaut. J'ai demandé où ils sont aux autres. Donc on peut faire un assaut sur le camp, on sécurise un bâtiment, on se retranche dedans la nuit. Exactement. On reste là, on est mort. Voilà, bon. Faut bouger là. Ok, bah écoutez, on va essayer de faire ça quand même. On sécurise, on rentre dans la station. Allez, c'est parti. On bouge, allez. Attends. Former des binômes pour évoluer, ça on peut couvrir et répliquer au contact. Ouais, moi sur la droite je vais avoir du mal. Alors négatif, on n'a pas commencé l'assaut, on était parti pour néanmoins, si vous êtes pas très loin et que vous avez un plan d'attaque, on est preneur. Ah, peut-être du changement. Bon, on va voir. Voilà, on voit l'équipe verte là-bas. C'est les verts. C'est l'équipe écolo. Allez, les verts. Allez. Par contre, vous êtes tous à checker la même. Bah, en négatif, ça serait pas l'équipe bleue, l'équipe verte. Vous avez un contact avec eux? Je veux pas qu'ils existent, eux. Équipe verte ou équipe jaune? Vous voyez, Léo est super bon à la radio. Une de ses gouailles, j'adore. On part à l'assaut. Voilà. Putain, ils ont appelé des renforts. T'as 15 minutes avant les renforts. Gaffe, il voit que ça tire. Ouais, ça claque pas super loin. J'ai un contact sur la route à pied. Tire, non? Ouais, là il est. Bah, oui, mais... Ok, reçu, nous on est près du grillage, on approche de la boule par le ouest. Ok, je dégage, c'était sur la droite l'entrée. Attention, t'as le contact sur la route, il va dans cette direction. Regarde, t'en as 2, 3, 4 même. C'est une patrouille. Alors, je sais pas. Target down. Putain, moi je vois rien. Bon, ok, va falloir. Gaffe aux munitions, les gars. Ouais. Il y a pas de vivant encore, il faut bouger. On a plus d'initiative. Ok. Putain, j'ai pas eu les bruits des tirs, je dois avoir un bug. Par la droite, les gars, par la droite, on lance. Ok. Ouais, fais chier avec tous ces add-ons là. Annonce qu'on est dans le périmètre de la base. Là, j'ai les tirs. Mais les tirs des armes là que j'ai là en R3F ou je sais plus quoi, je dois pas avoir la donne qui a été mis. Ah, ça tire à gauche. Wow, wow, ça tire. Putain. C'est bon, il est mort. Okay, walk at that. Saucisson, je vais à droite. Non, reste là. Putain, il m'a one shot. T'as one shot et moi il m'a pas calculé.
c'est un coup de chance. Moi, ouais. J'avais pas perdu de vie, toi t'es médic. Ouais, attends. C'est quoi cette musique là? Les Ewoks rend nous fiers. On bouge derrière nous sur la route. Ouais. Bon. On avance. Allez, c'est parti. Ok, on repart. Ok, okay Ewok. On repart. Tu pars à gauche. Ouais. Putain, avec le soleil. T'es conscient d'aller au premier étage de la boule pour lancer l'appel. Je crois que là on a fait se faire descendre par nos potes. Ouais. Ça m'est tombé pas loin. L'équipe jeune, on est près d'un shop en entrant par l'ouest derrière la boule. Faites gaffe. Au coin de la géode, au coin de la géode, yo. Ok, on rentre. De partir sur la droite là d'ennemi. On a une IA sur notre gauche en contre. Ouais, ouais. On y va saucisson, on se met à deux en. Tu vas voir. Bon. Bah, c'est pareil. Faut bouger. Bon moi j'avance. Moins un. Je rentre. Il y en a encore dedans. Moins un, c'est bon. Tu peux prendre des munitions, saucisson. Question, j'ai entendu parler à gauche. Ils sont en train de charger dans un véhicule. Là. Allez bugger. Chasse, allez, on y va. T'es pris des tirs là? On se casse. Ok, ça marche. On a du contact dans le dos. Ah, j'aime pas cet endroit là. Solo du nom, c'est reçu. Ils sont arrivés. Ok, couvrez-moi, je drague. Il y aura des contacts sur le haut de la dôme au premier étage, faites-le sur la géode. Ok, bien pris. Sur la géode ? Prends l'arme de l'IA. Prends l'arme de l'IA. Attention, on va se faire tirer dessus, hein. Ils sont sur les miradors. On va être pris en tir croisé, c'est toi. Toi, Ewok, t'es blessé. Je te soigne vite fait. Ouais, ne sortez pas votre nez, hein. Ne sortez pas votre nez, il y a une autre équipe à nous, là. Préviens-les. Ouais, nous on est au pied de la géode, eux ils sont sur les miradors qui sont au sud. On a perdu, on est au pied de la géode. Merde. Allez, faut qu'on bouge les mecs. Ouais, mais bouger là c'est sortir, c'est se tuer. Regarde, il nous tire dessus. Il est où, Inia ? Non, c'est Inia ça ? C'est Inia ça. Bon, ok. J'en ai pas moi. Les mecs, vous êtes côté sud ou pas ? Je balance une fumigène. Je fumigène. On va pouvoir passer. J'ai visu sur eux, ils sont au niveau du mirador, côté sud. Reçu, ils ont un homme dans le mirador, ils ont un homme dans le mirador. Ouais, c'est ça. Allez, on passe sur la fumigène. Okay. Allez, bougeons. Vous avez rechargé sur le cadavre de Bulls, ouais. Munition. Pas moi. Non, merde. Ok, je commence à monter les gars, essayez de couper. Attends. Ouais. Dans le dos, il y en a dans le dos, c'est bon. Bon alors vas-y, monte. Je monte. Je suis derrière toi, Ewok. Essaye de couvrir sur la droite. Bien sûr. Ok, je prends l'échelle. Il a pas été descendu le sniper. Moins un, sniper descendu. Joli. Bien joué, Ragnar. Je t'en prie. Ouais, merde. Saloperie de jeu. Ok, de Ragboy, je suis à l'étage. Ragboy aussi. Ragboy, je fais le tour aussi. On est en haut de la géode, il faut tenir la zone.
Ok, ça marche, je m'occupe de l'est. Ok, je te suis. Ouais, c'est ça, je devrais sécuriser. Drag Boy à tout, je m'occupe. Ah bah, on redescend alors Là, on sera pas clear hein, sur. Faut envoyer le message d'abord, je sais pas comment on fait, faut se démerder. Faut qu'on clear les bâtiments industriels juste en dessous. Ok, bien pris. Ouais, dans le hangar. Ouais, mais il en faut qu'il y en ait un qui reste ici. Hein. Léo, il. Bouge, bouge, saucisson, bouge. Je vais tirer dessus, ouais. Faut descendre, hein. Là on est des tirs aux pigeons. Ouais. Je te soigne. Ok, deux équipes jeunes, on va descendre. Il y a des ennemis au sud, on se fait tirer comme des pigeons. Ok, je suis encore en haut de la géode, je rampe pour essayer de me battre. Le Ragboy est descendu. Ok, je l'ai en visu, il se rue sur l'autre équipe, il se rue sur l'autre équipe. Léo transmet. Il se rue sur l'autre équipe. Par leur côté droite. Leur côté gauche, je veux dire. Par le flanc ouest. Quelqu'un qui peut relier, j'ai pas de radio. Attends, tu veux dire qu'ils sont sur le côté ouest? Oh putain. Ah, je suis touché. Non, pas pour nous, pour l'autre équipe. L'autre équipe bah, se fait flanquer par le côté ouest. Drag Boy à Léo, l'autre équipe se fait flanquer par le côté ouest. Reçu. Vas-y, redis-moi les messages là. Putain, j'ai pris cher. Ok, c'est bon. Tac, tac, te porter moins de 10 mètres pour nous à l'angle gauche du hangar. 18 secondes. Non, ils arrivent dans 15 secondes. Ok, je reviens sur la position. Si qui c'est qui est parti là tout seul là-bas? C'est Léo? C'est Saucisson. Non, c'est Saucisson, je crois. Ouais, MJ. Ouais, c'est Saucisson. Putain, mais pourquoi ça TP devant ça? Putain! Ouais, ok, Saucisson, il s'est fait tuer. Ok, Léo, bouge pas. Non, Ragboy, Ragboy, Saucisson s'est fait tuer. Il nous tire dessus là! De Ragboy à Léo, tu peux transmettre qu'ils arrêtent de tirer sur ceux qui sont au pied de la géode, s'il te plaît, parce que Saucisson était descendu. Drag Boy à Léo, tu m'entends? Ouais, je t'ai entendu, j'ai transmis le message. J'en ai deux. Non, j'en avais qu'une. Putain, on a des casquettes jaunes, ils me tirent dessus, okay, c'est affolant. Ça, ça en arrive, on arrive. Attention, il y a une IA. Non, j'ai une connerie. Non, c'est Léo, c'est Ragboy, pardon. Ouais, c'est moi, ouais. Il reste une IA ou pas? Je sais pas, check bien à droite, parce que j'ai entendu un truc. À droite? C'est surtout que les renforts, ils arrivent dans 5 minutes, quoi. Il a été cleané, ce bâtiment, ou pas, là? De Ragboy et Léo, tu peux me demander si le bâtiment principal a été cleané? Putain, c'est brouillon, là. Tu peux prendre celle de Bruce. Ah ouais. Alors bandage. Je crois qu'il faut qu'elle la lâche. Je la prends. Défi. Voilà, c'est on attend. Alors Léo? Le clean et bâtiment est pas clean, ils sont fait engager, ils sont pas rentrés. Ok, d'accord, bon bah faut rentrer. Hein. Il faut qu'on nettoie ça, sinon on est mort là. C'est clair. Bon, on nettoie les bâtiments là qui sont en contrebas. Hein. Sachant que les renforts vont arriver. Il reste un médecin là pour me soigner. Bouge plus, Ragboy, je m'occupe de toi. Je bouge plus, merci. Ok, vous êtes prêts? Il y a quelqu'un qui me suit pour rentrer? Il y a Léo, ouais. Ok, allez, on y va. Un peu de doliprane était bon. On rentre dans le bâtiment. Ok, les deux portes. Merci. Ok, il y a un contact à l'intérieur. Il est dead. Ok, un down. Attention, on est à la deuxième porte. On est à la deuxième porte. Drag Boy à vous, on est à la deuxième porte. Attention. Première salle clear. On est à la deuxième salle. Il est mort. Clear. On est sur votre gauche. On est sur votre gauche. On est sur votre gauche. Putain, il y a deux gars. Ah. Non, faisais pas le con. Gros malin. Clear. C'est bon, c'est clean, c'est clean. Ok, bâtiment clean. Ok les gars, bâtiment.
Tu peux leur dire qu'on ressort. Ok, équipe bleue, équipe jaune, rejoignez dans ce bâtiment, clean, et après on se casse. Bah, les renforts, ils arrivent là. Ce qui peut être bien, on est. Mais on voit rien là. Ils vont arriver vite, ils sont pas loin. Ouais, on les voit, ouais. C'est surtout comment est-ce qu'ils vont arriver? Est-ce qu'ils arrivent à pince? Est-ce qu'ils arrivent en camion? Franchement, on n'a aucun visuel. Tiens, je suis mort, c'est sûr. Okay. Je suis mort, putain, ils sont où? Bon, on va voir ça. Pendant quoi là, on a nettoyé les derniers bâtiments là. On doit évacuer l'île au plus vite avant que les renforts arrivent. On a pu envoyer le message, mais il va falloir courir au plus vite. On a fait une jonction avec les autres équipes, les Verts. Je te pardonne, Ewok. J'ai l'impression qu'on est plus survivants. Et ils attaquent au mortier, hein. Ils attaquent au mortier. Une balle dans la tête directe, je me suis pris. Ouais. Ouais. Donc on doit rejoindre une des deux criques là. De merde. Il a pas un droit de voir. Attendez, je vais faire une pause. C'est quoi là, ce qu'on a? Voilà celui-là. Donc c'est la deuxième. Il faut franchir la crête en face. Hein. 210. 210. Qu'est-ce qu'il y a en 210? Ah non, c'est les cartes. T'as le bat de Léo. Celle d'après. Ouais, c'est la crique d'après. Hein. Je suis pas sûr à 100%. Négatif. Ouais, de Ragboy à équipe jaune, je confirme, c'est la deuxième crique, hein, c'est pas celle-là. Ouais, c'est ça. Deuxième crique. Ragboy m'a confirmé deuxième crique. Je vais dire que ça où il était, qu'est-ce qu'on s'en sait en statut, parce que je l'ai pas vu dans les stations. Oui. Moi, on est bien au courant. On se dirige vers, vers les bacs. Ok, reçu. Ok, on a un peu cassé la colonne là, mais c'est pas grave. Allez, allez, on se magne, on fait pas du tourisme. Attention, on a des bâtiments sur les droites. Bien pris. Ah, on arrive sur des bâtiments. Ouais. On peut jouer avec la crête au pire. Ouais. Ok, on descend. Ok, on est bon. Ça fume devant derrière les... Oh, j'aime pas cette musique. Ouais, moi non plus, ça sent les hélicoptères, ça. Ouais, ça me plaît pas. Il est temps que je me prenne un petit rail de coke. Non, c'est pour coller au film, hein. C'est pas pour... ouais. C'est n'importe quoi. Hein. Bonne guerre. Quand tu seras bien bourré, tu mets un coup de poing dans un miroir. Ah bon, il fait ça dans le film? Ouais, ouais, on a un meilleur visu comme ça. Alors c'est où les vacs? C'est dans ce truc là. Putain, ouais, bah je crois que l'évacuation a explosé. Dwarf pour Dalbat. Donc voilà, on a fait la jonction avec les autres équipes, mais j'ai l'impression que... les équipes vertes, ouais. Négatif. Équipe rouge pas vu. Équipe bleue non plus. J'ai l'impression qu'ils sont morts totalement. En 200. Quoi, y'a du monde en 200? 220 camions de troupes. Attends. Ouais, ok, ok. Ouais, je me fais tirer dessus. Merde. Putain, je l'ai pas eu. Il est pas. Il est pas. Il est pas. Il est pas. Ouais, il est pas. Ok, couvert. Bon, je crois que j'ai tout envoyé à purée là. Ouais. Il n'y a plus rien, donc ça sert à rien. Je vais pouvoir le jeter à la poubelle. Confirmé, il y a des hélicos aussi. Casse-toi. Ah, quoi que si, attends, il reste une roquette. Ils sont engagés du sud là, de l'évac en fait.
De Ragboy, à qui est-ce qui reste une roquette là? Il y avait quelqu'un qui avait pris une roquette avec moi. Tonight? Ouais. Tu peux me la donner? Ça marche. Merci. Merci. Elle est bonne. Je dis, j'essaye de choper les gens, faut du tir de couverture, hein, sinon. Y'a pas un médic là? Non mais ça. Eh hey, mais. Le Ragboy a tous reculé, reculé, on va redescendre au niveau de la mer. Moi je suis mobile encore. Ok, okay, on bouge. Retraite, allez, on retraite là. On couvre le médecin le temps qu'il relève et on bouge. Chameau là. Non, saucisson, bouge, j'ai pas envie de te relever après moi. Ah mais je suis couvert moi, c'est bon. Ouais, non mais bouge. Il y en a un qui est mort là ici, non? Ils sont en dessous, ouais, mais on s'en fout. On a qu'à aller plein est. Plein est. Merci, Jack. Ouais. Merci. On a qu'à aller plein est. Hein. Je peux utiliser le couvert de crête par le bah, par l'est. Ouais. Allez, on bouge. Allez, Starbucks. On bouge. J'ai plus de... Ah putain, je m'en veux d'avoir raté le camion là, ça me saoule. Oh, c'est pas bien grave. Ouais. On voit rien. Il est en qui est pas loin de la crête. Ils sont au bout de la crête. Bon, on va voir ce que ça donne cette technique. Bon, allez, Ragboy, il va voir. Avec Léo. Audio hélico. Ouais. Donc, il y en a au moins encore un. Ouais, j'ai un visuel sur l'hélicoptère. Ah ouais, je vois, il atterrit. Je crois. Ouais, bah, va falloir le couvrir, hein. Va falloir avancer. Hein. Dans Ragboy à tous, j'avance. Attends, je check à droite là. Checker à droite. C'est quoi ça? Ok, y'a un véhicule sur les plus des IA. Putain, c'est un blindé. C'est une artillerie. Je l'ai shooté. Attention, te mettez pas devant. Ah putain, elle bouge trop. Voilà, ça c'est fait. Ouais, feu à volonté. Hein. Ragboy, feu à volonté. Non, ça n'a rien fait sur l'artillerie. Butez-moi ce chien de merde. GG, les mecs, GG. Dans notre dos. Ouais, mais c'est un mec à nous, il a une casquette violette. Cessez le feu, il y a casquette violette en bas. Cessez le feu. Ah oui, c'est un pote. De Ragboy à tous, le tir vient plus de l'ouest. Bon, il m'en veut. Touché. Ragboy touché. Ragboy touché, ouais. Okay. Reçu. Sur le point évac, ça donne quoi? Il reste des ennemis? Merci, Tonight. Il n'y a pas de soucis. Ok, sur le point évac, il reste des ennemis. Éliminez tout ce que vous pouvez. Okay. Ragboy à tous, il y a une équipe violette. Je passe Starbuck. C'est Ragboy. Oui, il y a équipe violette en bas.
Il y a l'équipe violette en bas apparemment. C'est pas eux ? Bon, c'est la merde ici. Dalmat ou l'équipe violette, vous recevez ? Il y a pile. Ok, je l'ai. Il est azimut. 320. 310. Ouais, 315. Le contact qui nous allume. 315. Mais je l'aurai pas là, la MG. Il a 500 mètres au moins. Bah dis-moi où est-ce qu'il est. Je l'ai, je l'ai. Je suis pas sûr que ce soit lui qui nous tire dessus, mais... Il y a un hélicoptère. J'avais nulle part où me déployer là avec la MG, c'était quasiment impossible de l'avoir. Quelqu'un a visé sur le point évac ? Je vous confirme deux contacts. Deux contacts. Reçu, fumez-moi tout ça. J'ai plus de balles. Deux hélicoptères ennemis à l'ouest. Putain, j'ai pas d'albat. Et les autres, essayez de checker les autres positions hein, parce que là on est. Pour ne pas être. Hélicoptère ennemi. Deuxième. Allez, les AT, si vous pouvez essayer de les traiter. Ou pas. Sinon ça sert à rien d'utiliser les balles. Moins un, c'est bon, la cible est traitée. C'est quoi de c'est rocher, je pense. Sur le point évac, t'as vu tu vois Pédia ? De là où je suis, non. Et il y a trois hélicos, les IA sont mortes, après il peut se cacher dans les maisons. Énorme renfort, bon. Allez go, on fonce. On y va. Allez go, on fonce à l'évac. Ouais, y'en a peut-être, on peut pas dire pas les... Derrière. Ouvrez l'œil et on fonce. Ils ont dû se réfugier là, pourquoi. C'est comme ici. Je sais pas par où on passe là. On va contourner à droite. Ouais. Ouais, là c'est... Mec, en 1 minute 20, on se barre. Ok, avertis-les, c'est pour l'instant c'est clair. Pour l'instant c'est safe, vous pouvez venir. Ok, à tous c'est clair. Les battes, putain, c'est quoi ça ? C'est quoi ? Ouh là là. Ah, mais non, mais... ah ouais, ça c'est con ça. Ah ouais, il a bugué. Il... Oh putain, pareil pour moi. Il meurt à cause de ma roquette. Ah putain. Ah bah, c'était bien eux. Non. Ils apprennent la danse synchronisée. Prends des tirs. Alors. On va voir la fin. C'est la fin pour moi. Mort définitive. Donc. Je suis mort, bah ouais, super. Là, le bug. Bon, bah, c'est sur ce que se termine notre soirée. J'espère que ça vous a plu. Allez, bonne soirée, ciao, ciao, à plus.